Massechet Yoma Daf Yud Amud Bet. On va commencer par les sept dernières lignes de Yud Amud Aleph. Tanu Rabbanan Kol Aleshachot Shehayu Bamikdash Lo Haya Lahen Mezuza Chutz Minishkat Parhedrin Shehaya Ba Bedira Le Kohen Gadol. Amar Rabbi Yehuda Vehalo Kama Leshachot Hayu Bamikdash שהיה להם בית דירה ולא היה להם מזוזה. La Gemara maintenant va nous citer une baraïta qui développe le sujet de la mezouza concernant la lishkat parhedrin. Le Kohen Gadol allait passer sept jours avant Kippour dans la lishkat parhedrin. Fallait-il mettre une mezouza? Alors il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à savoir, est-ce que la mezouza qu'on devait mettre dans la lishkat parhedrin, c'était minatora, ou bien c'est un chiyuv qui n'est que midérabanan. D'après Tanakama, Hachamim, c'est un chiyuv minatora. Pourquoi? Parce que ça servait d'habitation, de logement, pendant sept jours. Pour le Kohen Gadol, c'était une dira, donc c'est une maison. Là où on habite, eh bien, on est chayav de mezouza. Alors, je relis la braïta. Tanu rabanan, kol haleshachot shayu bamikdash, toutes les pièces qui étaient dans le betamikdash, lo hayalain mezouza. On ne fixait pas de mezouza à l'entrée de ces pièces. Chutz milishkat parhedrin, à l'exception de cette pièce, de cette salle, qu'on appelle l'Ishkat Parhedrin. Pourquoi est-ce qu'on mettait une mezouza? Chez Ayaba Bedira, les Kohen Gadol, puisque ça servait de logement pour le Kohen Gadol. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda, Vehalo, Kama Leshachot Hayub Amikdash, Chez Hayalahem Bedira, Velo Hayalahem Mezouza. Les chomrim, les gardiens du Beth Amikdash, également avaient des pièces qui leur étaient attribuées pour dormir là-bas. Et tout de même, il n'y avait pas de mezouza, car ils étaient là-bas qu'en journée. Pardon, que la nuit. En journée, ils n'avaient rien à faire dans ces pièces. Tu vois donc que ça servait tout de même à la dira. Ils dormaient là-bas. Mais il n'y avait pas de mezouza. Et là, l'ishkat parhedrin, gezera haïta. C'est vrai qu'il y avait une mezouza. Rabbi Yehuda avoue qu'il y avait une mezouza dans la l'ishkat parhedrin. Mais il dit que ce n'était pas un chiyuv minatora, c'était juste une gezera des rabbanan. Pour quelle raison hachamim ont décrété de mettre une mezouza dans la l'ishkat parhedrin? On verra plus tard dans la Gemara que Hachamim ont craint que les gens aient l'impression que le Kohen Gadol se trouve dans une prison. On l'a pris de chez lui, on l'a isolé et il n'a pas le droit de quitter les lieux, il ne peut pas aller se balader, rentrer chez lui. Non, il doit rester là-bas pendant sept jours. Mafrichin oto mi beto lelishkat parhedrin. Shivat yamim kodem yom kippourim. On pourrait considérer cela comme une prison. Chez Lo Yomru, Kohen Gadol Asur Bebet Asurim, pour pas qu'on dise qu'il est prisonnier. Alors, Hachamim ont dit, on va fixer une mezouza à l'entrée pour donner l'impression que c'est une habitation normale. C'est comme une maison classique. Une maison et pas une prison. Maintenant, la Gemara cherche à comprendre pourquoi Rabbi Yehuda considère qu'il n'y avait pas de chiyuv pour la lishkat parhedrin. Pourtant, c'était une dira, les Kohen Gadol. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pour quelle raison Rabbi Yehuda dispense la lishkat parhedrin de mezouza minatora? Il dit que c'est que midérabanan. Mais minatora, il n'y a pas de chiyuv. Pourquoi il n'y a pas de chiyuv minatora? Pourtant, il était là-bas jour et nuit pendant ces sept jours. Alors là, on va avoir
trois intervenants. D'abord, Rabba avec He. Bien que c'est écrit Rabba avec Aleph, mais El Mefarshim nous cite une autre version, et c'est la bonne. Il faut corriger. Au lieu de Rabba avec Aleph, il faut lire Rabba avec He. Rabba, c'était le Rav de Rava et de Abayé. Le premier, c'est Rabba. Amar Rabba, Kassava, Rabbi Uda, Kol Bayit Cheno Asui. Limot ha-hama ve-limot ha-geshamim enobayit. Pour Rabbi Uda, selon Rabba, une maison n'est digne de ce nom que si elle sert à héberger toute l'année, en hiver comme en été. Mais si on a une maison qui est spécifique à la période d'été, une maison qui est spécifique à la période d'hiver, on ne va pas vivre toute l'année dans cette maison. Tout dépend des saisons. Dans ce cas-là, on n'est pas hayav de mezouza, ni dans l'une ni dans l'autre, étant donné qu'elle est faite que pour 6 mois dans l'année. À plus forte raison, l'ishkat paredrin, qui n'est utilisé que 7 jours dans l'année. Voilà pourquoi Rabbi Uda pense qu'il n'y a pas de hayav de mezouza. Abayé va adresser une objection à son maître, à Rabba. Et t'y vais Abayé. Ve'aktiv, ve'iketi, et bet'ahoref, al bet'akaïts. Il est écrit dans le livre de Amos qu'il y a, chas ve'shalom, une sanction qui peut arriver si Am Israël se détourne de la Torah. Akadosh Baruch Hu menace en disant, et je vais dévaster et détruire les maisons. Bet ha-horef et bet ha-kaïtz. Ve-hiketi bet ha-horef al bet ha-kaïtz. Ve-avdu bate ha-shen. Ve-safu batim rabim ne'um ha-shen. Ça s'écrit dans le livre de Amos. Nous voyons, dit Abayé, que le pasouk s'est exprimé comment? Bet ha-horef, bet ha-kaïtz. Bien que c'était des maisons qui étaient construites de telle manière à ce qu'elles servaient spécialement en été, elles étaient très ventilées, et d'autres qui au contraire étaient très isolées, très chaudes pour l'hiver. Malgré tout, ça s'appelle Baït. Bet ha-horef, la maison d'hiver. Bet ha-kaït, la maison d'été. Et tu vois qu'on n'habitait pas là-bas toute l'année, et ça s'appelle Baït. Or, la Torah nous dit qu'il faut fixer une mezouza à l'entrée du Baït. Alors, pourquoi tu dis que si on n'y habite pas toute l'année, ça ne s'appelle pas Baït? Il a répondu à Marley, Bet Horef ou Bet Kaït Ikre, Baït Stama lo Ikre. Il lui a dit, tu vois que le Passouk, justement, n'a pas qualifié ces maisons de maison Stam. On a appelé ça la maison d'hiver, la maison d'été. Donc justement, puisque c'est qualifié de Bet Horef, Bet Kaït, et pas Stam Baït, machma que justement ça ne s'appelle pas Baït. Alors si ça ne s'appelle pas Baït, donc il n'y a pas de Hiyuv de Mezouza. Dans Rashi, il est écrit Eno Baït, Vegabe Mezouza Bainan Baït Hashuv. Ça veut dire que pour la Mezouza, il faut que ce soit une maison importante qui est habitable toute l'année. Habitable ou habité toute l'année. Je dis habitable et habité parce que si vous regardez dans le livre de Amos, et le Metsudat Tzion là-bas explique que Bet HaKaïtz et Bet HaHoref c'était justement conçu au niveau de la construction de telle manière à ce que ce soit agréable en été, très très aéré. Et donc ça ne peut pas être habité en hiver, puisqu'il y, il y aura trop de froid. Et l'autre était justement conçu pour l'hiver. Donc tu vois que ça s'appelle Bet Horef, Bet Kaïtz. Eh bien, ce n'est pas un Baït classique. Encore une question. Etive Abayé. Abayé objecte. Et il lui dit, Rabba, comment tu peux dire que d'après Rabbi Uda, une maison qui n'est pas faite pour être habitée tout le temps, alors, elle ne s'appelle pas maison d'après Rabbi Uda,
C'est pour cela qu'il n'y a pas de mezouza, il n'y a pas de chiyuv mina Torah de mettre une mezouza dans l'Ishkat Paredrin, parce qu'il était là-bas que pendant 7 jours. Pourtant, ce même Rabbi Yehuda va dire Sukkat Hag Bahag Rabbi Yehuda Mechayev Bahachamim Potrim. Tu vois que dans la Sukkah, selon Rabbi Yehuda, il faut mettre une mezouza. Pourtant, on est dans la Sukkah que pendant 7 jours. Et ça n'empêche pas Rabbi Yehuda de dire qu'il est hayav de mettre une mezouza dans la Sukkah. Entre parenthèses, Hachamim Potrim. Hachamim disent que non, il n'y a pas de chiyuv de mettre une mezouza dans la Sukkah. Rabbi Yehuda continue, pardon, la Gemara nous cite une braïta où Rabbi Yehuda lui-même s'explique. Quand il a dit « Sukkat Hag, Bahag, El Chayevet de Mezouza », dans la braïta il a dit « Rabbi Yehuda Mechayev Be'eruv, Bimzouza ou Bema'aser ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Eruv » c'est « Eruv Hatzerot ». Vous savez que pour pouvoir transporter d'un Reshut Ayahid à l'autre, si par exemple il y a M. Reuven qui habite dans une maison et Shimron qui habite dans une autre maison et ils ont un Hatser en commun, ils ont une cour commune, est-ce qu'ils peuvent faire sortir des objets de leur maison vers le Hatser ou vice-versa? Est-ce qu'ils peuvent transférer des objets de la maison de Shimron à Reuven? Réponse, ça dépend. S'ils ont fait Eruv Hatserot, ils ont pris une corbeille de pain et chacun a mis son pain. Et ils l'ont déposé dans une maison, ce qu'on appelle Eruv Hatserot. Là, ils le peuvent, sinon c'est assur. Quelqu'un qui habite dans une souka, est-ce que c'est comme si c'était une maison dans le Hatser? Il y a une souka dans le Hatser. Est-ce que c'est considéré comme une maison et donc il faut participer au Eruv, sinon on n'a pas le droit de transporter? Rabbi Yehuda dit oui. Il dit une souka, c'est comme une maison. Par rapport au Eruv, également par rapport à la mezouza, il faut fixer une mezouza à l'entrée de la souka. Ou bien Maaser, c'est quoi l'histoire du Maaser? Vous savez que les fruits, pour qu'ils puissent être hayav de prélèvement, les fruits d'Eretz Israël, desquels on doit prélever la terouma et le Maaser, le hiyuv n'a lieu d'être que si on a fait rentrer les fruits au travers de la porte de la maison. Mishir ou Petah Habayit. Si on les a fait entrer par exemple par la fenêtre, eh bien ils sont Ptourim de Maaser Minatora. Quel est le din si on a fait rentrer les fruits dans la souka? Est-ce que c'est comme si on les a fait rentrer dans la maison ou pas? Eh bien Rabbi Yehuda dit qu'une souka c'est comme une maison. Et faire rentrer les fruits dans la souka, par la porte de la souka, c'est comme si on les a fait entrer par la porte d'une maison. Et donc, ils sont hayab de Maaser. Et alors, à quoi on veut en venir? Abaye veut démontrer que le hiyub de Mezouza, ici, c'est Minatora, comme Maaser, qui est Minatora. Et quelle est la preuve que Maaser, c'est Minatora? Regardez la dernière ligne d'abord. Vechite ma'ami de Rabbanan, et si tu vas essayer de me réfuter, comme ça il dit Abaye à Rabba, si tu vas essayer de me réfuter en disant « Ma pitom, qui te dit que le chiyuv de Mezouza dans la Souka, c'est Minatora ?» Peut-être que comme dans l'Ishkat Parahedrin, c'est Midérabanan. Même au niveau de la Souka, c'est que Midérabanan. Qui te dit que c'est Minatora, qu'on est Hayav, d'après Rabbi Yehuda, de mettre une Mezouza à l'entrée de la Souka ?« Vechitema Midérabanan, si tu vas me dire que c'est Midérabanan, impossible. Pourquoi ?» Bishlama Eruv ou Mezouza Ikalemema Midérabanan. S'il n'y avait écrit que ces deux mitzvot, Eruv et Mezouza, alors là tu aurais pu encore dire que c'est que Midérabanan. Et la Maaser Mika Lemema Midérabanan. Mais le Maaser des fruits, est-ce que c'est possible de dire que le Riouv, de prélever les fruits, de prélever le Maaser, c'est que Midérabanan, c'est juste impossible. Pourquoi? Dilma atele afouché mina hiyuv, à l'aptour, ou mina ptour, à la hiyuv. Il est impossible de dire que le hiyuv de Maaser n'est que Midérabanan. Pourquoi? Parce que si Chachamim avait décrété
de prélever le maaser que midérabanan, alors que minatora, il n'y a pas de chiyuv, ça peut causer une grosse confusion. Laquelle ? C'est que quelqu'un peut croire qu'il peut prélever de ses fruits pour ses fruits. Ses fruits sont hayav minatora. Ses fruits sont hayav que midérabanan. Alors il peut croire que puisque on est hayav de prélever de ses fruits comme de ceux-là, alors quelle différence y a-t-il si je prends de ses fruits pour ses fruits ou de ses fruits pour ses fruits? Je peux aussi prendre de ses fruits pour ses fruits. C'est-à-dire, les fruits qui sont hayav minatora, je prélève pour les autres fruits qui sont hayav minatora. Des fruits qui sont hayav midérabanan, je prélève pour acquitter le devoir des rabbanan. Mais si je prélève des fruits qui sont hayav que midérabanan pour acquitter des fruits qui sont hayav minatora, c'est sûr que ce n'est pas bon. Car minatora, ces fruits-là, ils étaient patour. C'est que midérabanan qui sont hayav. Donc minatora, ce n'est pas considéré du maaser. Les autres fruits qui sont hayav minatora, ils sont tevel. C'est très grave d'en manger. Donc les hachamim ne vont pas faire quelque chose qui prête à confusion. Donc c'est sûr que si Rabbi Yehuda a dit que lorsqu'on fait rentrer des fruits au travers de la soukha, ils sont hayav de prélèvement de maaser minatora, donc même la mezouza, dont il a dit qu'on doit accrocher une mezouza à l'entrée de la soukha, c'est sûr que c'est minatora. Et donc, la question de Abayé revient à la case départ. C'est-à-dire, comment, Rabba, tu peux dire que, selon Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que minatora, il n'y a pas de chiyuv de mettre une mezouza dans la lishkat parédrine, étant donné que le Kohen Gadol n'habite là-bas que 7 jours dans l'année, et pas toute l'année. Vekol dira, she'ena asuya, kol bayit, she'eno asuy, limot ahama, vilimot agshamim, eno bayit. Une maison qui n'est pas faite pour habiter là-bas régulièrement, alors ça ne s'appelle pas Baït et pas Tour de Mezouza. Si c'est cela la raison, alors pourquoi il est Hayev Minatora de mettre une Mezouza dans la Soukha? Et tu ne peux pas me dire que c'est Midérabanan. Comme Maaser, c'est Minatora. Donc même Mezouza, c'est Minatora. C'est la question de Abayé. Mais je n'arrive pas à comprendre, Béhémet, la preuve de Abayé. Comment est-ce qu'il démontre que le chiyuv de Mezouza dans la Soukha, c'est Minatora? Preuve, c'est que le Maaser qui est juste après Mezouza, c'est Minatora. Donc même Mezouza, c'est certainement Minatora. Ribbono shel olam. Mais dans la même phrase, il y a trois éléments. Eruv, Mezouza et Maaser. Le Eruv et Hatserot, c'est sûr que c'est comme Midera Banane. Car on parle ici d'un espace qui est clôturé. On a un Hatser avec des maisons. Tout est Reshuta Yahid. Les maisons sont Reshuta Yahid, le Hatser est Reshuta Yahid, Akol Reshuta Yahid. Et si tout est Reshuta Yahid, pourquoi j'ai besoin de faire Eruv et Hatserot? C'est une takana de Hachamim. De peur que les gens fassent une confusion. Si tu permets de faire sortir des objets de la maison, qui est une propriété privée, au Hatser, qui est une propriété commune à Reuven et à Shimon, alors après ils peuvent faire des confusions et faire sortir des objets. Mirshut Ayahid, Mirshut Arabim. C'est la raison pour laquelle Hakamimo était Metaken Eruv. Donc tu vois que Eruv c'est Midera Banane. Alors même la Mezouza, on peut dire que c'est que Midera Banane. Qui te dit que la Kavana de Rabbi Yehuda était d'être Mihayev, une Mezouza dans la Soukha, Minatora? Peut-être que c'est que Midera Banane. Comment il a déduit par juxtaposition avec le Maaser? Mais Mezouza c'est aussi juxtaposé à Eruv. Et Eruv c'est sûr que c'est Midera Banane. Maaser c'est sûr que c'est Minatora. Mais Mezouza, je peux très bien dire que ça ressemble à Eruv, comme je peux dire que ça ressemble à Maaser. Quelle est la preuve de Abayé? J'ai du mal à comprendre et je n'ai pas de réponse. Si quelqu'un peut m'écrire une réponse, j'en serai reconnaissant. Alors, Ela Marabaye.
puisque Abaye a réfuté Rabba, il va donner son interprétation. Et après, même Rava, le haver de Abaye, va réfuter Abaye et il va donner son interprétation. Mais avant d'y arriver à l'interprétation de Abaye, je voudrais encore quelques secondes m'attarder sur la kushia qu'a posée Abaye à partir de cette baraïta. Je répète la baraïta. Etiv et Abaye, sukata hag bahag, Rabbi Uda Mechayev, bahachamim potrim. Qu'est-ce qu'on voit dans cette baraïta? Que d'après Rabbi Uda, on est hayav de fixer une mezouza à l'entrée de la souka. Mais hachamim disent patour. Alors il y a un gros problème là. On aurait dû poser une contradiction aussi par rapport à hachamim. Car à propos de l'ishkat parhedrin, les hachamim ont dit que puisque le Kohen Gadol habite là-bas pendant 7 jours, alors on est tenu de fixer une mezouza à l'entrée de la l'ishkat parhedrin. Pourquoi? Comme ils ont expliqué. Ils ont dit kol ha'lechachot shehayu bamikdash lo haya lahem mezouza chutz milishkat parhedrin shehaya ba'beit ha'kohen gadol. Ça veut dire que l'ishkat parhedrin, pourquoi est-ce qu'on mettait une mezouza? Parce que c'était considéré une dira pour le Kohen Gadol. Mais combien de jours? Juste 7 jours avant Kippour. Donc c'est exactement comme 7 jours dans la souka. Alors la question se pose, si une dira de 7 jours est considérée une dira pour les hachamim, alors pourquoi dans la souka on ne mettrait pas une mezouza? Pourquoi va hachamim potrim? Pour l'ishkat parhedrin, ils ont dit chayav, c'est considéré bendira, même 7 jours. Et pour souka, ils disent patour. A priori, pourquoi patour? Parce que ce n'est que 7 jours. Et donc 7 jours, c'est juste provisoire. Si c'est provisoire, ce n'est pas une maison. Ce n'est pas une maison de toute l'année. Ribono shel olam. Contradiction. Et la Gemara n'a même pas relevé. Qui pose cette question? Tosfot. Tosfot répond qu'il y a une réponse facile. C'est que l'ishkat parhedrin, c'est en mur et en dur. Tandis que la souka, c'est une construction légère, précaire. C'est ce qui fait la différence. Ça veut dire que souka dirat arai ba'inan. Je vais vous lire ça. Temahli. Maïka amar vechitema mi derabanan. Mikol makom tikshe arte derabanan. A derabanan. Mikol sheken. Deacha patre afilu mi derabanan. Ou le il mechai ve afilu mi doraita. Viesh lomar. Derabanan, derabanan. Lo caché. De sha'ane souka. De dirat araihi. Alors, j'ai mal expliqué. J'ai dit que parce que la construction elle est légère. Non, dirat arai, l'habitation est légère. Qu'est-ce que ça veut dire l'habitation est légère? Dans la lishkat parhedrin, c'est une habitation pendant 7 jours qui est régulière, permanente, constante. Il n'a pas le droit de sortir de là-bas. Kohen Gadol ne sort pas de là-bas. Tandis que dans la souka, on rentre et on sort quand on veut. Et même mieux, s'il pleut, on n'est pas tout. S'il fait trop chaud, on est dispensé. Mitzta'er, patour min asouka. Quelqu'un qui souffre dans la souka, il est dispensé. Ce qui fait que l'habitation dans une souka n'est pas une habitation qui est fixe pour lui donner le statut de bayit. C'est la svara de Hacham. Tandis que dans l'Ishkat Parhedrin, vu que le Kohen Gadol habitait là-bas régulièrement pendant les 7 jours et il ne sortait pas de là, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Bet Dira le Kohen Gadol. Shane Souka de Dirat Araihi, de Bekal Yachol Liot, Shou Yotse Mimena, Kegonimu Mitztaer, Oyardu Geshamin, Vekaena Rabot, Avalishkat Parhedrin, Shehaya Betocha Bikviaut, Mechaive Bimzouza. Alors maintenant, je vais juste récapituler. On a une machloquette entre Hachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que le chiyuv de Mezouza dans l'Ishkat Parhedrin était Minatora ou Midrabanan? Selon Hachamim, Hayav Minatora de mettre une Mezouza dans l'Ishkat Parhedrin.
selon Rabbi Yehuda, c'est que Midei Rabbanan. Très bien. Ensuite, Rabba explique pourquoi, selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de chiyuv minatora de fixer une mezouza dans l'Ishkat Parhedrin. Quelle est la réponse? Eh bien, Rabba nous dit que d'après Rabbi Yehuda, une dira qui n'est pas permanente pour toute l'année, eh bien, ça ne s'appelle pas Baït. Si ça ne s'appelle pas Baït, eh bien, il n'y a pas de chiyuv mezouza minatora, puisque la Torah nous dit « Urtaftama mezouzat betecha, zelo Baït ». Abaye avait posé une première question à partir du Navi, Beta Kaïtz, Beta Horef, et Rabba lui a dit, oui, ça s'appelle Beta Kaïtz, Beta Horef, c'est pas Baïtz. Deuxième question, Abaye cite une Baraïta, au travers de laquelle nous voyons que Soukat Hag Bahag, ou Rabbi Yehuda Mechayev Bimzouza, lui-même Rabbi Yehuda dans la Baraïta, il a expliqué qu'on est Chayav pas seulement de Mezouza, mais même de Eruv et même de Maaser. Et Abaye a voulu démontrer par cette braïta que le chiyuv de Mezouza dans la souka, selon Rabbi Yehuda, c'est Minatora, comme le Maaser, puisque ça a été juxtaposé au Maaser. Et si le Maaser c'est Minatora, donc certainement Mezouza aussi, alors Rabbi Yehuda va se contredire. D'après ton pirouche à toi, Rabba, Rabbi Yehuda se contredit, puisque tu vois que 7 jours dans la souka, Rabbi Yehuda est Mechayev, à plus forte raison, 7 jours dans la Lishkat Parhedrin, il aurait dû être Mechayev. Donc la réponse de Rabba a été réfutée par Abaye. C'est la raison pour laquelle Abaye va nous proposer une autre explication. Elama Rabaye, Beshiva, Dechule Alma la Pelige de Mechayva, Ki Pelige Mish Arye Motashana, Rabbanan Savre, Gazrinan Shariemotashana Atushiva. Mais Rabbi Yehuda Savar Lo Gazrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient maintenant à la Mahloket première. Pas par rapport à la Souka. La Mahloket par rapport à l'Ishkat Parhedrin. Hachamim disent Hayav de Mezouza. Rabbi Yehuda dit Patour de Mezouza. Abaye nous dit cette Mahloket à propos de la Lishkat Parhedrin. Il faut la comprendre ainsi. Beshiva, kule alma lo pelige de Mechayva. Pendant les 7 jours où le Kohen Gadol habite là-bas, c'est sûr qu'il est Hayav Minatora, d'après tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remet en cause? Non. Même Rabbi Yehuda est d'accord que pendant les Shiva Yamim, de kule alma lo pelige de Mechayva. Ce qu'on a vu comme mahloket, là-haut, c'est par rapport au restant de l'année. Est-ce qu'il y a chiyuv de mezouza? Oui ou non? D'après Hachamim, oui. D'après Rabbanan, non. Et pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Hachamim sont mechayvim? Hachamim disent, vu que les gens vont voir que tu ne mets pas la mezouza pendant toute l'année, alors ils vont dire, eh bien même pendant les 7 jours, ce n'est pas la peine. C'est pour cela que d'après Chachamim, dans l'Ishkat Parhedrin, il fallait mettre une mezouza toute l'année. Pourquoi il faut mettre toute l'année? De peur qu'ils ne la mettent pas pendant les 7 jours. Découle alma la peligé de mechayva beshiva. Qui peligé bish ariemotashana. Rabbanan savre gazrinan sh ariemotashana atu shiva. Mais Rabbi Yehuda savar le gazrinan. Rabbi Yehuda dit, non, pourquoi tu vas faire une gzera? On a affaire à des kohanim, on a affaire à des gens avertis, ils savent ce qu'ils ont à faire. Même si pendant toute l'année on ne met pas de mezouza, ils vont se souvenir pendant les 7 jours qu'il faut mettre la mezouza. Très bien. La Gemara s'étonne et elle dit Amar le Rava. Rava maintenant va réfuter le pirouche de Abaye. Il va dire Ve'asukata hag bahag katane. Pourtant, il est écrit à propos de Hag Asukot. On a vu là-haut, dans la Braïta qu'on a citée,
qu'il est écrit qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'il faut mettre une mezouza pendant la fête de Sukkot? Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Pas tour. Rabbi Yehuda, il est mechayev bimzouza. Ve Chachamim potrim. Chachamim, ils ont mais pas de mezouza dans la soukha. Mais si tu me dis que, d'après tout le monde, dans l'Ishkat Parhedrin, il fallait fixer une mezouza. Pourquoi il fallait fixer une mezouza? Parce que l'habitat pendant 7 jours, c'est considéré un habitat. Eh bien, pareil, Chachamim aurait dû être d'accord avec Rabbi Yehuda de fixer une mezouza dans la soukha, puisqu'on y habite pendant 7 jours. Et une habitation de 7 jours, c'est une habitation. Si tu vois que, malgré tout, ils ont dit « patour », ça veut dire que il est impossible de dire que, pour la soukha, ils vont dire « patour », et pour l'Ishkat Parhedrin, ils vont être « mechaivim ». C'est comme ça que Rava réfute Abaye. « Ve'asukat ha'chag b'chag katane » Je vous lis Rashi. Ou patre rabanan, et tu vois que Chachamim, ils ont dit patour dans la soukha. Alma beshiva anami, ikaleman de patar. Donc même pendant les 7 jours, où le Kohen Gadol se trouve dans l'Ishkat Parhedrin, Chachamim aurait dû dire patour. S'ils ont dit hayav, c'est que, si tu vois qu'il y a une machloket à ce propos, c'est que, c'est faux ce que tu as dit, que pendant les Shiva, d'après tout le monde, ça s'appelle une habitation. Alors, Rava donne son explication. Ela ama Rava, bishar yemot hashana, kule alma la pelige de ptura, ki pelige be shiva, ve sukata malechud, ve lishkata malechud. Rava va nous donner une explication lumineuse, brillante et mielleuse. Rava te dit que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est justement pendant les Shiva. Mais pendant le restant de l'année, ils sont tous d'accord qu'on n'a pas besoin de mettre une mezouza dans la Lishkat Parhedrin ou dans la Soukha. Pas besoin. C'est uniquement pendant les 7 jours. C'est là où il y a mahloket. Pendant le restant de l'année, où personne n'y habite dans la soukha, personne n'habite dans l'Ishkat Parhedrin, pas besoin de mettre une mezouza. La mahloket, elle est double. Elle est au niveau de l'Ishkat Parhedrin et par rapport à soukha. Mais chacun dit l'inverse de ce qu'il a dit dans l'autre cas. C'est-à-dire, Chachamim qui ont dit qu'il faut mettre une mezouza dans l'Ishkat Parhedrin, c'est même Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la soukha? On met pas de mezouza dans la soukha. Rabbi Yehuda qui a dit qu'on met une mezouza dans la soukha, qu'est-ce qu'il dit dans l'Ishkat Parhedrin? Pas tout. C'est juste Midrabanan que c'est juste Midrabanan qu'il faut mettre Xéra de peur qu'on va voir la Xéra. La Gemara va expliquer, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va le voir dans le texte. Voilà comment il explique. El amarava bish ariemotashana kule alma la pelige diptura. Pendant le restant de l'année, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de mettre de mezouza ni dans la soukha, ni dans l'Ishkat Parhedrin. Ki pelige beshiva, si machloket il y a, c'est uniquement pendant les 7 jours de Sukkot ou avant Kippour. Mais soukhat amalehud, belishkat amalehud. Et la raison pour la soukha et la raison pour l'Ishkat Parhedrin, ce sont deux raisons totalement différentes. Et là, c'est merveilleux. Soukhat amalehud. Rabbi Yehuda l'etame, de amar, suka dirat keva ba'inan, ou mechaiva bimzouza, de rabanan l'etamayhu, de amre, suka dirat aray ba'inan, ve lo mechaiva bimzouza. On connaît la première Mishnah de Masechet Suka. Suka, shigevo alemala, me esrim ama, pesula, ve Rabbi Yehuda, marchir. Quel est le din? Si la soukha est très haute, elle dépasse 20 coudées de hauteur. Est-ce qu'elle est cachère pour soukha ou pour soukhot, oui ou non? Rabbi Yehuda dit cachère. Chachamim disent pasoul, pas cachère. Quel est l'objet de leur discussion? Rava
le même Rava avec Aleph, là-bas, il donnait l'explication suivante. Selon Hachamim, pourquoi la Souka n'est pas kasher? C'est parce que Souka dirat Arai Barinan. La Torah veut que nous construisions une Souka de manière légère. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Parce que si elle est trop haute, tu es obligé de la faire solide. Ce ne sera pas une construction précaire, mais quelque chose de fixe. Keva. Or la Torah te dit non. La Souka te joue Shivrat Yamim. Il faut que ce soit Souka Reouya les Shivrat seulement. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit quelque chose qui dure longtemps. Même si après, comme là-bas, Abaye lui a posé la question à Rava, il lui a dit, et si il a mis des petits murs en métal, en acier, en béton, quoi, tu vas me dire que c'est pas cachère? Il lui a dit, oui, bien sûr que c'est cachère. Seulement, il faut que ce soit d'une hauteur qui permet le potentiel d'une construction légère. Mais si tu la fais trop haute, tu n'as pas le choix que de fixer et de la faire solide. Il faut que potentiellement qu'on puisse la construire légèrement, de manière précaire et légère. Alors, qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda par rapport à la souka? C'est une souka dirat ara, c'est dirat keva. Au contraire, fais-la grande, parce qu'au contraire, pour lui, la souka, elle est keva. Une construction solide. Tu peux la faire très très haute. Il n'y a pas de problème. Soukat keva ba'inan, d'après Rabbi Yehuda. Et Hachamim disent non. Soukat arai ba'inan. Alors on a compris la mahloket. Est-ce qu'il faut mettre une mezouza dans la souka, oui ou non? Rabbi Yehuda dit oui. Hachamim disent non. Pourquoi? Chacun les shitato. Rabbi Yehuda qui dit que souka c'est une dirat keva. Alors il faut une mezouza. Hachamim disent que souka dirat arai. On ne met pas de mezouza dans une dirat arai, ça ne ressemble pas à Baït. Maintenant, la mahloké dans l'Ishkat Paredrin, c'est l'inverse. Hachamim vont dire Hayav et Rabbi Yehuda va dire Patour, Minatora. Velishka, Tamalechoud, et pour la Lishka, c'est un autre débat. Rabbanan Savre dira Baal Korcha Shmadira, et Rabbi Yehuda Savar dira Baal Korcha Loshmadira. Hachamim pense que la lishkat parhedrin, oui, on est chayav de mezouza, mais Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi Rabbi Yehuda dit non? Il dit, tu veux savoir? Parce que c'est une dira ba'al korha. Est-ce que le Kohen Gadol peut sortir de là? Non. Il peut aller chez lui pour aller faire la sieste? Non. Il est obligé de rester ici pendant 7 jours. Comme il doit rester ici pendant 7 jours, malgré lui, qu'il le veuille ou pas, eh bien, ça s'appelle Dira Baal Korho. Ça ne s'appelle pas une habitation. Une habitation, c'est comme à la maison. On y va quand on veut, on sort quand on veut. Personne t'impose quoi que ce soit. Ça, c'est une Dira. Haya Bemzouza. Mais le Lishkat Paredrin, c'est une Dira où tu es Haya d'habiter là-bas. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit pas tout, Minatora. Il n'y a aucun trio. Mais Hachamim disent Afilu Dira Baal Korho, Avia Dira. Même si l'habitation dans une maison, elle est malgré lui, ça s'appelle Dira. Et donc ça s'appelle Dira Zébaït. Et si c'est Zébaït, il faut une maison là. Et alors la Gemara dit comme ça. Rabbi Yehuda, Savar Dira Baal Korcha, Loshma Dira. Ou Medera Banan ou Détakino là. Shelo Yambu, Kohen Gadol, Havush Bebeta Asurim. Pourquoi, selon Rabbi Yehuda, il faut mettre une mezouza midera banane dans la lishkat parhedrin, c'est qu'une takana de hachamim, de peur que les gens aient l'impression que le Kohen Gadol, c'est un prisonnier en prison. Alors pour pas qu'ils aient cette impression, chas v'shalom, qu'ils comprennent qu'il le fait avec joie, il était tout heureux de pouvoir officier dans le Saint-Temple, eh bien, on a mis une mezouza à l'entrée du Lishkat Parhedrin, pour donner l'impression que c'est une maison classique, que c'est un habitat normal. Voilà pourquoi on a mis une mezouza, juste pour pas que les gens disent que le Kohen Gadol est en prison.